opportunité ça pour capable représenter pays d'Haïti et du même pour représenter l'ensemble des pays qui fait partie intégrante de CARICOM qui c'est marché commun de la communauté de la Caraïbe. Il faut dire que sommet ça la fête dans ville Malbaie qui sont ville qui trouvait la 150 km de Québec et président de la République là pendant journée samedi qui prend le 9 juin 2018 là lui-même là bien pour faire des interventions et sous tribune côté qui a hébergé sommet G7 ça Jean Sotina là pour parler de problèmes changement climatique les conséquences du changement climatique sur un pile pays dans Caraïbes là il fait cause conséquences et comment yo capable pallier à difficulté ça que déjà changement climatique là porté dans la vie population en dedans région et c'est pas l'occasion tout pour pendant bilatéral ça que ce soit avec Justin Trudeau qui c'est premier ministre pays Canada et côté par gain des bilatéral avec que ce soit le président le premier ministre du Vietnam et le président du Rwanda tout le monde sera présent là et il y a des sessions assez spéciales que le président Jovenel Moïse va réaliser avec l'autre officiel et ces moments tout c'est une occasion côté président lui-même et c'est de faire confiance à ça et ambassadeur Peterson Benjamin Noël qui partagé avec nous ces moments côté que le président lui-même il pourra poser sous table discussion sous table échange sept axes prioritaires qui fait partie du gouvernement là sept axes prioritaires que l'a réalisé pendant l'administration là et côté que le pourra partager vision volonté avec sept grands pays ça pour garder qui possibilité de renouveler ou bien redéfinir qualité coopération qui compte avec pays sa yo et là le président Soutamak là l'a salué et plusieurs et que ce soit les autorités politiques et civiles et militaires qui présent Soutamak là le temps que lui-même les rejoignent et voiture parce que j'en connais là président la direction c'est pays Canada pour aller représenter Haïti et toute la communauté caribéenne dans le sommet G7, un sommet côté que le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, Japon, Canada et l'Italie est déjà présent pour discuter sur l'avenir, le monde, avenir et coopération avec l'autre pays. Et président Jovenel, c'est un monde qui a une opportunité ça pour en première fois venir participer en tant que président d'Haïti et président de la CARICOM pour participer dans les sept pays SAO, venir chita parler, venir faire des échanges avec l'autorité SAO sur ce qu'a fait, ce qu'a fait, ce qu'a fait. Et il faut signaler que le président, il y a un moment fort qui pourra autour de l'échange, c'est surtout ça qui vient pour avec le changement climatique dans la région caraïbéenne. On a signalé le président a supposé retourner dans le pays à dimanche 4 10 juin après intervention il y a bien des échanges bilatéraux avec d'autres officiels et que ce soit Justin Trudeau officiel du Kenya du Vietnam etc et le président de la République a bien aussi pour rencontrer communauté haïtienne cap vivre dans le pays Canada et ensuite pour le président pour retourner dans le pays d'Haïti dimanche après-midi cap 10 juin 2018 et Jean-Noël là c'était toute et autorité ça a été fait déplacement question pour te venir souhaiter président bon voyage et pour sommet G7 ça le groupe des sept pays les plus industrialisés qui réunit dans le pays Canada pour débattre sur l'avenir politique, l'avenir économique, échange commercial qui t'a doué fait, ça quoi le fait, ça quoi le dit, ça quoi le gagne. C'est ça avec un invité d'honneur qui c'est le président de la République, Jovenel Moïse, qui représente le pays d'Haïti et du même coup représente toute la communauté caribéenne pour parler surtout de sept axes prioritaires d'administration et ensuite de ça qui vient pour avec changement climatique. Télévision nationale d'Haïti, te baille tête un plaisir pour te permettre de vivre en exclusivité départ chef l'État pour pays Canada pour participer dans ce sommet G7. Ça, n'a pas demandé pour continuer à être sous programmation et suivre programmation télévision. Mais c'est...
Ça pour capable de représenter le pays d'Haïti et du même pour représenter l'ensemble des pays qui fait partie intégrante de CARICOM qui c'est marché commun de la communauté de la Caraïbe. Il faut dire que sommet ça la fête dans ville Malbaie qui sont ville qui trouvait la 150 km de Québec et président de la République là pendant la journée samedi qui prend le 9 juin 2018 là lui-même là bien pour faire des interventions et sous tribune côté qui a hébergé sommet G7 ça j'aime ce signal là pour parler de problèmes changement climatique les conséquences du changement climatique sur un pile pays dans Caraïbes là il fait cause conséquences et comment yo capable pallier à difficulté ça que déjà changement climatique là porté dans la vie population en dedans région et c'est pas l'occasion tout pour pendant bilatéral ça que ce soit avec Justin Trudeau qui c'est premier ministre pays Canada et côté par gain des bilatéral avec que ce soit le président le premier ministre du Vietnam et le président du Rwanda tout le monde sera présent là et il y a des sessions assez spéciales que le président Jovenel Moïse va réaliser avec l'autre officiel et c'est moment tout c'est une occasion côté président lui-même et c'est de faire confiance à ça et ambassadeur Peterson Benjamin Noël qui est partagé avec nous ces moments côté que le président lui-même il pourra le poser sous table discussion sous table échange sept axes prioritaires qui fait partie du gouvernement là sept axes prioritaires que l'a réalisé pendant l'administration là et côté que le pourra partager vision volonté avec sept grands pays ça pour garder qui possibilité de renouveler ou bien redéfinir qualité coopération qui compte avec pays sa yo et là le président li sou tabac là l'a salué et plusieurs et que ce soit les autorités politiques et civiles et militaires qui présent sous tabac là le temps que lui-même les rejoint et voiture li parce que j'en connais là président li direction c'est pays Canada pour al représenter Haïti et toute la communauté caribéenne dans sommet G7 un sommet côté que Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, Japon, Canada et l'Italie est déjà présent pour discuter sur l'avenir, le monde, avenir et coopération avec l'autre pays. Et président Jovenel, c'est un monde qui a une opportunité ça pour en première fois venir participer en tant que président d'Haïti et président de la CARICOM pour participer dans le temps sept pays SAO, venir chita parler, venir faire des échanges avec l'autorité SAO sur ce qui a fait, ce qui a fait, ce qui a fait. Et il faut signaler que le président, il y a un moment fort qui pourra autour de l'échange, c'est surtout ça qui vient pour avec le changement climatique dans la région caraïbienne. On a signalé le président a supposé retourner dans le pays à dimanche 4-10 juin, après intervention, après il y a bien des échanges
a bien des échanges bilatéraux avec d'autres officiels, et que ce soit Justin Trudeau, officiel du Kenya, du Vietnam, etc. Et président de la République a bien aussi pour rencontrer communauté haïtienne cap vivre dans le pays Canada, et ensuite pour président pour retourner dans le pays d'Haïti dimanche après-midi cap 10 juin 2018. Et Jean-Noël là, c'était toute et autorité ça a été fait déplacement en question pour te venir souhaiter président bon voyage et pour sommet G7 ça, le groupe des 7 pays les plus industrialisés qui réunit dans le pays Canada pour débattre sur l'avenir politique, l'avenir économique, échange commercial qui t'a doué fait, ça quoi dit, ça quoi gagner. C'est ça avec un invité d'honneur qui c'est le président de la République, Jovenel Moïse, qui représente le pays d'Haïti et du même coup représente toute la communauté caribéenne pour parler surtout de 7 axes prioritaires d'administration et ensuite de ça qui vient pour avec changement climatique. Télévision nationale d'Haïti, te baille tête un plaisir pour te permettre de vivre en exclusivité départ chef l'État pour pays Canada pour participer dans ce sommet G7. Ça, n'a pas demandé pour continuer à rester sous programmation et suivre programmation télévision.